How French are you, Luis Gustavo? Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Luis. Ça fait maintenant un an et demi, presque deux ans qu'il est là. Donc Luis, on va tester tes connaissances sur la culture française, sur la culture marseillaise. T'es prêt? Oui. Comment s'appelle cette poisson? La sardine. Non. Là, c'est une sardine, lui. C'est Bounassar. Je ne connais pas le poisson. Là, c'est Bounassar. La primo, c'était ça. Eh, Bounassar. Quel est le point commun entre ces quatre personnalités? Les quatre sont avec le même prénom? Non, il y a une fille, c'est pas possible. Non, c'est le nom. Tout l'homme sont Garcia. Voilà, le nom. Oui. Le Bravo, nom. Il a trouvé la réponse. Comment s'appelle le morceau de Booba extrait de son album Temps mort? Strass et paillettes, Sar et paillettes. Orly, je suis ready. Et Octogone. Ready. C'est hip-hop, c'est pas... C'est aussi, non. C'est quoi, hip-hop? C'est États-Unis, c'est Buna, c'est pas là. C'est ça ou là? Strass aussi, ça, ouais, c'est ce que dit aussi. Octogone. C'est un octogone roi. Donc c'est pas octogone, c'est A. Bien, primo. Quel groupe de rock français interprète la chanson « Je t'emmène au vent » ? A, Luis attaque. B, Luis dribble. C, Luis accélération, virgule, petit pont. Kylian Mbappé. Luis attaque. C'est quoi ? Il a dit. C'est pas possible. Luis attaque. Bravo. Comment s'appelle cette légende du cinéma français? Louis A. Louis Saha. Louis de Funès. Louis Vuitton. Je vous jure que la logique. C'est pas. Non, c'est ça. Louis de Funès. Louis de Funès. Bravo. C'est l'expérience. Parmi ces moustachus allemands, un seul n'a pas joué à l'OM, lequel? Harald Schumacher. Schumacher. Rudi Völler et Klaus Allof. Klaus Allof. Actuellement, un seul. Harald Schumacher. Schumacher, il n'a pas joué à l'OM? T'es sûr? Sûr. Rudi Völler, oui. Klaus Allof, oui. Schumacher. Ah, mais toi, t'es un Allemand, toi. T'as vécu 15 ans là-bas, toi. C'est pour ça, il sait. Bravo. Bien joué. Ça, c'était trop facile pour lui, ça. Comment s'appelle ce film français se déroulant au Brésil? A. Rio ne répond plus. B. Joga Bonito. C. Contre Ronaldinho. D. Les Bronzés à Porto Alegre. Facile, c'est facile. Tu connais, toi? Ah ouais? Non, parce que t'as la réponse, là. Rio, non, non. Rio ne répond plus. Ah, ça, c'est facile. Lesquels de ces Pelé n'ont jamais joué à l'OM? Il y a Abidi Pelé, il y a Pelé le Brésilien, Johan Pelé. Et lui, c'est qui lui? Ah, Graziano Pelé. Tu connais pas ça, Graziano Pelé? Italiano. Calme, Paï. Va pas trop loin. C'est. Lesquels? Il y en a un autre. Il y en a un autre qui n'a pas joué. Ah, c'est deux? Il y en a deux, ouais. Non, c'est là, joué, là. Pelé. Ils sont tous Pelé. Ah, c'est. Pelé, il a dit. Graziano Pelé. Le club a été fondé par un de Montmirail. Lequel? Ok. René Dufort de Montmirail, Geoffroy de Montmirail, Béatrice de Montmirail. Alors là, mon ami, le bonne chance. Nous sommes pas quarts, tout le temps. Quand tu vas rentrer là pour les chambres, tu l'as. Là, non. Ah ouais? Ah ouais, tu l'as. Les femmes, mais. On lui va prendre pas. Sorti de la guerre. Donc c'est A. C'est quoi? Ouf. Quel nom? Dufoura de Montemirel. Non, les outils, non, les outils. Bonne réponse. Oui. Bravo. Tu vois? Bravo. Bien, Luis. Merci. Non, mais il fait tout en. Il est malin. Tout en réflexion. Bravo. Conclusion, vas-y. C'est plutôt pas mal, hein. On va dire qu'en deux ans, il a pris pas mal de choses. Ça reste encore à perfectionner, mais on est content de ses progrès. Merci, bonbon. Un petit pierre-feuille-ciseau pour finir, les deux.
La bonne gagne. Direct. Vas-y. Tu vois, bonne gagne. C'est normal.